Danesan, tous ceux qui m'ont dit que c'est petit, c'est miondo, c'est chéri, tu ne gères pas. Quoi? Ne coupe pas tout ça. Ah bon? Et pourquoi? Si quelqu'un dit que c'est trop petit, tu dis que envoie-moi ta femme. Quoi? Envoie-moi ta femme si elle va rentrer. Ah bon? Et pourquoi? Parce que je sais que les gens qui ont les petits trucs là, c'est des petits. Hey, ils travaillent, ils font comme si sa vie en dépendait. Ils ne te laissent pas dormir. Laisse mon frère, hey. C'est petit, c'est gros, c'est moyen. Danesan, n'écoute pas les petits, c'est pas grave. Si tu sais utiliser, même si c'est comme le moineau, ça va. Hein? Quoi? Si ta femme à la maison est à l'aise, ça va. N'écoute pas tout ce le bruit qui est dehors là. Eh oui, c'est clair. Quand vous le dites, tout le monde dit ce qu'il parle. Eh oui, c'est clair. N'écoute pas que oh, c'est petit, c'est mince, c'est vieux. Laisse ça. Ça, c'est clair. Donc, Daniel, si tu veux le dire, tu prends seulement tout le paquet. Tu vas déposer chez toi, tu laisses tranquille. Ça, c'est clair. N'écoute pas les titres. Elle va te décourager. N'écoute pas tout ce que les gens disent que oh, j'ai même vu. La comédienne dit que même si c'est comment, c'est quand même bien. Papa, si tu sais utiliser l'engin, même si c'est comme mon boissy, ce n'est pas grave. Maman. Il faut seulement savoir quand tu cales l'affaire là, tu cales bien. C'est comment? Tu prends un côté, tu te cales là. C'est seulement le cadre qui va venir t'enlever là. N'écoute pas tout le bruit là. C'est toi ce qui sais comment tu gères l'affaire là. Quoi? C'est toi ce qui sais comment tu gères l'affaire là. Ça c'est clair. N'écoute pas tout le bruit qu'il y a. D'accord? Ça va aller. C'est tranquille. D'accord? Je voulais seulement te dire ça. Deuxième chose que je voulais dire. Les filles du Cameroun là. Comment vous pouvez faire? Non, ce n'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas filmer quelqu'un qui dort. Ça c'est clair. Moi j'ai entendu que c'était les tous pas. Et que c'est une gars qu'on n'a pas payé, qu'on a filmé. Mais je n'ai pas la confirmation. Donc ne parle pas de ce que je n'ai pas les preuves. J'ai demandé qu'on envoie les preuves. Ça c'est clair. Mais je profite de mon direct pour faire les conseils aux gars du Cameroun là. Comme ils sont les champions, ne tous pas là. Les tous pas là. Quand vous êtes mélangé qu'il y a beaucoup de monde, hein, chacun filme comme il veut. Quand tu es concentré sur Nadège, c'est Solange qui filme. Hein? C'est Solange qui filme. Comment tu vas voir? Parce que tu es concentré sur Nadège. C'est les tous pas qui amènent toutes ces histoires de vidéos là. Ah bon? Et pourquoi? Parce que quand tu es concentré, que tu veux montrer à Nadège que tu as tout le moule, la force. Tu es concentré comme si ta vie en dépendait sur Nadège. Solange va filmer. Ça c'est clair. Solange, hey, il était sur moi, ne faisait rien. Mais il est concentré sur Solange. Nadège va te filmer. Ça c'est clair. Maintenant, si tu es avec. Si c'est Sam qui est sur l'anga de Daniel, ou bien l'anga de Serge, il voit comment, quand lui il est sur Sanga, elle ne dit rien, elle est malade comme le bois, comme Zomoubem. Elle est posée là comme Zomoubem. Elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas, elle est coincée là comme Zomoubem. Et tout d'un coup, Serge monte. Les cris, les voisins sont allaités. Ouais, moi, appelez le voisin, aidez-moi. Mais attends, Serge ne s'est pas fâché, il a filmé, non? C'est ça le piège, il ne touche pas. Ah, oh, maman. Il va appeler le voisin, elle oublie même qu'elle est venue avec Serge. C'est sa personne. Ouais, ça c'est très bien. Daniel est en train de cirer là-bas, elle crie partout. Wow, vraiment, mon père et ma mère, je ne sais pas que, wow, mon pied, aidez-moi. Tous les voisins sont allaités, c'est gâté comme ça, là, mélangé. Tout est sorti dehors, non? Oui. Il faut faire attention avec les touches pas. Ça c'est clair. Donc, il faut bien réfléchir avant de vous mettre dans les touches pas. Ah bon? Et pourquoi? Parce que ne touche pas amène toujours les problèmes. Ça c'est clair. Il y a toujours un jaloux au milieu. Si vous êtes 6 que 3 gars, 3 hommes, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas satisfait au milieu. Il est fâché. Que c'est comment? Il met l'énergie là-bas, il met pas l'énergie là-bas. C'est quoi avec moi? J'ai fait quoi de mauvais? Hein? Ça crée le désordre, non? Donc, si un gars t'a tué ton gars, vous êtes dans les touches pas, non? Tu vas gérer quoi? Vous êtes dans les touches pas. C'est je t'accule un gars de ton Pierre depuis. Maman, elle est venue dans les touches pas, non? Ou bien ils ont pris un gars dehors. Lui calculé, c'est lui calculé l'autre. On mélange tout comme ça là. Mais il y a toujours un certain insatisfait. Il dit que merde, pourquoi les 4 trucs pour Serge et pour moi ne fait pas? On vous filme, non? Quand quelqu'un est fâché, on met bien, tu vas faire quoi? Je m'interroge. Tu vas faire quoi? Je m'interroge. Te voici mélangé. Ça c'est clair. Donc faites attention. Ah bon? Et pourquoi? Parce que les Camerounais aiment tous les touches pas. Et beaucoup de vidéos, c'est les affaires. Les Camerounais, comme ils ont fui la politique, ils ne veulent pas s'inscrire sur liste électorale, ils ont tout peur, ils veulent voir les enfants grandir. Ils ont mis leur tête dans les touches pas, le vin, et m'a sur Facebook. C'est tout. Vraiment, c'est malheureux. Donc, dernier ça, papa. C'est ton moment de gagner la tontine. Là seulement ça tu déposes à la maison, tu le détends. C'est pas grave, hein. Je t'ai dit, quelqu'un s'amuse pour dire que c'est ton mion, que ton mion doit être petit. Tu ne gères pas ça, c'est quoi? Est-ce que c'est parce que c'est gros que ça fait le travail? On a vu les gros qui ne servent à rien. Qu'est-ce que c'est seulement entre les jambes? Ça encore plus même les jambes, ils ne savent pas quoi faire avec ça. Il y a les petits piments typiques. Parfois tu as le gros piment. Un gros piment comme ça là, ça ne sert à rien. Le piment c'est mal là. Tu éclates, tu mets dans la sauce, ça ne pique même pas. Tu peux payer un petit piment. Tu ne mets même pas deux, tu mets un dans la sauce. Hé, personne ne mange la sauce là. Ça pique jusqu'à. Donc, n'écoute pas tous ces conneries là. Bon, et je voulais dire aux gens que moi, c'était couché. Donc, personne ne sait, parce qu'on ne sait jamais quand un tonton est fâché. Il y a un tonton quand il se fâche. Il se fâche ici, tu le trouves là-bas. Il y a un tonton qui se fâche. Quand il est au repos, il ne parle pas beaucoup. Il y a un tonton qui s'énerve. Même si tu fais quoi, il ne parle pas, il est calme. Il est comme Simba. Simba, il ne dit rien. Il ne parle pas. Mais s'il se fâche, tu entends sa voix jusqu'à dehors. Donc, personne ne peut vraiment savoir quand tonton est fâché. C'est la bordel là qui a filmé qui connaît quand tonton est fâché, la longueur que ça prend. Ce qu'on a vu là, tonton était au calme, reposé, il venait de travailler. Donc, je demande à tout le monde de rentrer en zone et de laisser le monsieur bouffer sa tontine tranquillement, sans déranger les gens. Sans déranger les gens. Vous n'êtes personne pour donner les leçons, monsieur. D'accord?
On a vu vos kiki ici là, vos gros kiki, vos gros banquiers de fer avec qui encombrent vos intelligents. C'est quoi que vous venez juger les gens? Hein? C'est quoi? Moi les gens que oh, mais c'est petit, c'est ceci, ça vous regarde en quoi? C'est, vous êtes sa femme vous a dit que c'est trop petit pour elle. Vous croyez que c'est le taureau de bois là-haut de qui l'a épousé? Non! Si sa femme est satisfaite du mion d'or, ça vous conseille en quoi? Hein? C'est comment? On n'avait plus à voir les mions d'or tranquilles dans nos âmes? C'est quoi avec vous? C'est sa femme qui connaît si son mion d'or la convient ou pas. Vous faites quoi dans les affaires des gens? C'est pour vous, vous êtes marié à Sam. Sa femme qui est à la maison, elle s'est plainte. C'est quoi? Hé! Hey, c'est là déranger les gens. Elle sait le travail que ça fait. Elle sait si elle est là, elle sait que ça travaille bien. Elle sait que petit piment pique et ça arrive à la gorge. Elle sait ce que le petit piment fait. Les gros machins que vous avez, comme les papas au milieu des jambes, ça ne sait même aller s'encombre là. Que même dès que tu mets ses mains, le courant, la bagarre, on crie jusqu'à que les voisins sortent. Vous croyez que vous êtes obligé d'avoir les bazooka, les engins qui détruisent en bas? Non! Parfois il faut les petits mions d'or pour nous aider. Bon, enfin, moi je connais. Seigneur, excusez-moi vraiment. Donc, voici dans les conneries. Hey, Dieu. Allez, vous inscrire sur les listes électorales. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Je vais dire ça comment. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Moi, ça ne fait pas des conneries qui ne sont pas faites. Eh, Seigneur. Mais, Seigneur. Dieu. Excusez-moi. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Moi, ça ne fait pas des choses qui ne sont pas nécessaires. Bon, c'était vraiment. Dernier instant, je voulais t'apporter mon soutien. N'écoute pas tout le bruit qu'il y a derrière là. Tu comprends, papa? Si ta femme aime, c'est essentiel. Tous les gars qui parlent là, que oh, vraiment, je croyais que. Si son garçon qui monte à l'heure qui t'envoie. Qui pose le kiki. Moi, un jour, il y avait un gars qui me draguait. J'avais tellement refusé que le gars sortit son truc, il a tapé sur la table comme le bâton. Et que tu refuses, tu sais pas que c'est gros. Il a pris la tapé sur le bâton. Dès qu'il a tapé, tout, il dit, c'est ça. Il dit, papa, c'est bon. On était dans l'offre, non? À l'époque, la mienne. On était dans l'offre, les gars étaient fous là-bas. Les Camerounais, ils sortaient de la France. Ils viennent, ils me draguent. Ils disent que oui, la parole vraiment. Allez, c'est ce que je dis, c'est électoral, non? Vous aimez tous les conneries. Il me drague. Mais tu sais pas ce que tu rates. Je dis que papa, il rate quoi? Il dit que tu ne sais pas ce que tu as, les filles vont mourir pour moi. Il dit qu'en France, avec mon ami, papa. La machine, il veut t'apporter une machine. Il a tellement bu, il m'a dragué fatigué en boîte. On a la tête, il nous fait que me draguer. Il s'est fâché. Maf, je sais pas que le truc était posé. Tu refuses ça pourquoi? Il a posé une petite table parce qu'il a sorti ta poule. Je sais pas la tête de Dieu. Il dit que ça c'est bien marché, c'est ça. Il dit que tu restes quoi? Maman, dès qu'il a tapé, bien vu, le truc s'est mal posé. Il tapait, c'est que tu devrais être dans ses bons. Papa, j'ai compris. Maman, j'ai fui. Quelle la force de tout comme ça? C'est quoi? C'est le camion. J'ai fui. J'ai dit non, non, non. Je ne suis pas venu ici là, c'est quoi? Tu veux dire, tu fais comme ça après? J'arrive, mon mari me chasse, c'est quoi? On connaît notre niveau. Le gars, mon mari va constater que je suis parti dehors. Parce que si tu parles avec quelqu'un qui a l'argent, les gros engins sans contrôle là, les engins sans contrôle du village là, que personne n'a même si conseillé depuis 5 ans, il passe là-bas 5 fois. Maf, ton mari va remarquer non. Ton mari connaît son niveau. Il va dire, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé ici là? Il dit que non. Papa, tu viens en France, donc faut rentrer comme tu veux, mais il n'y a pas de problème. Tu as bu, si tu veux, passer le savon, j'ai plus le savon qui te donne. Va te débrouiller, tu vas dormir chez toi. On n'est pas venus ici ensemble, c'est quelle chance ça. Si tu viens me gâter au mariage, et les gars ils contrôlent ces choses, donc ils ne veulent pas. Bon, bref, je vous racontais. Je vous racontais pour rigoler un peu. Donc, dernier sang, c'est la seule Maro qui te parle. Ne coupe pas tout ça. Tout le monde goûte le Djangui. C'est ta part de Djangui. Tu prends tout le paquet du Djangui là. Tout ce que les gens ont cotisé pour toi là. Tu prends ça, tu pars, tu déposes tranquillement à la maison, tu laisses le vent passer. Le voisin va venir bientôt. Ça va arriver à tout le monde. Donc, tous ceux qui vont dire que c'est petit, c'est mion d'or, c'est chéri, tu ne gères pas. Si quelqu'un dit que c'est trop petit, tu dis que envoie-moi ta femme. Envoie-moi ta femme si elle va rentrer. Parce que je sais que les gens qui ont les petits trucs là, c'est des petits. Hey, ils travaillent. Ils font comme si sa vie en dépendait.